Les aigles se rassemblent. Nous sommes ici, derrière moi, dans la toile de fond. Voici la rivière Ohio de Jeffersonville, Indiana. Et ce matin, nous avons le privilège, d'une fois encore, de pouvoir lire cette lettre des aigles qui se rassemblent. Jeffersonville est connue pour avoir une ville portuaire. Vous pouvez voir que les navires prennent de la nourriture emmagasinée et du grain et le ramènent jusqu'à l'océan depuis Jeffersonville. Et c'est comme un entrepôt ici ou des larges bâtiments où la nourriture stockée est emmagasinée là-bas. Mais il y a une autre nourriture emmagasinée et c'est la nourriture stockée qui est la nourriture spirituelle pour l'épouse de Christ dans le monde. Contrairement à la nourriture stockée qui se trouve sur cette rivière portuaire, cette rivière du port recueille de la nourriture de plusieurs sources, de nombreuses sources. Que la nourriture soit génétiquement modifiée ou hybride, ils s'en moquent de quelle source elle provient. C'est juste que pour eux, tant que c'est vert. Mais à l'épouse du Christ, la nourriture emmagasinée vient d'une seule source. Et c'est la voix de Dieu pour nous dans cette génération. Maintenant, passons à la lettre. C'est frère Joseph Branham. Chère épouse en action, alors que le reste du monde passe ce week-end à s'inquiéter de la COVID-19, des manifestations, des fusillades, de l'élection, sur quoi l'épouse portera-t-elle son attention? Le même Messie, le même Dieu qui était juste là, dans le petit et vieil édifice chaud à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, sera dans chacun de nos foyers alors que nous entendrons la voix de Dieu nous parler. Il prendra le charbon ardent de sa parole et touchera nos lèvres et nous dirons « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Et nous nous écrirons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Non seulement cela, nous ne serons pas simplement assis là, mais nous nous mettrons en action. Peu importe ce que nous demande de faire, Seigneur, nous le ferons. Nous sommes prêts à passer à l'action. Frère Branham dit, c'est premièrement d'être respectueuse, ensuite d'être humble, puis passer à l'action. Oui, monsieur. Restez où vous pouvez être nourri spirituellement jour et nuit. Oui, monsieur. Comment puis-je le faire? Je dois rester avec ce message. Oui, monsieur, nous restons avec le message enregistré sur bande, car c'est le seul endroit où nous pouvons nous nourrir jour et nuit. Ne faites pas de compromis. Tenez-vous sur la parole. Oui, monsieur, nous ne ferons jamais de compromis sur une seule parole, mais nous nous tiendrons sur chaque mot et nous croirons chaque mot. Ils ne se souviennent pas que la Bible dit « Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. » Ils ne viennent pas seulement pour leur rendre visite, ils dressent leur tente. Amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent son nom. Ils y restent jour et nuit. Joseph continue. « Merci Père, je ne craindrai rien et je me souviendrai que tu as placé tes anges tout autour de moi et qu'ils resteront là jour et nuit. Aucun mal ne peut m'atteindre. » Frère Branham dit, « Où que vous alliez, placez Dieu. Si un homme se met en colère et vous injurie, placez Dieu entre vous et lui. Si quelqu'un vous traite d'exalté, placez Dieu entre vous et lui. Si votre femme se met en colère contre vous, placez Dieu. Si votre mari se met en colère, placez Dieu. Si les enfants vous agacent, placez Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placez Dieu. Si papa et maman vous donnent une petite fessée et vous corrigent, placez Dieu. Vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à ce sujet? Frère Joseph continue. Oui, monsieur, nous te placerons toujours, toi et ta parole, prémis en toutes choses. Père,
Nous diras-tu encore une fois qui nous sommes? Cela nous encouragerait tellement. La parole était Dieu. Frère Branham dit, la parole était Dieu et la parole fut faite chair et elle habita parmi nous. Maintenant, la parole est dans notre chair, manifestée et ointe par le Saint-Esprit. C'est le moment de passer à l'action. Merci, Père. Nous passerons à l'action. Alors que nous nous rassemblerons dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, pour t'écouter, nous apporter tes paroles d'instruction par le biais de ton message, l'influence d'un autre, 62-1013, frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre du frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Les liens sont ci-dessous, ici sur votre YouTube. Et si vous regardez sur WhatsApp en Chine ou en Zambie ou en Tanzanie ou Namibie ou n'importe où dans le monde, que Dieu vous bénisse. Et nous vous parlerons la prochaine fois. Et souscrivez, appuyez aussi sur la cloche et vous serez notifié automatiquement sur votre téléphone. Partagez-le, entrez en action. Laissez les gens connaître dans le monde, les croyants du monde à entendre cette voix qui nous parle dans ce temps, que c'est la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Pour nous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et shalom.